Ce 18 juillet, jour de célébration de la journée internationale de Nelson Mandela, en l'honneur du travail effectué par l'ancien président sud-africain en faveur de la paix et de la liberté, une dizaine de jeunes se sont portés volontaires pour nettoyer l'esplanade des services du gouverneur. C'est une icône pour nous parce qu'il a beaucoup fait pour les Noirs en Afrique du Sud. Oui. Et même pas en Afrique du Sud, dans le monde. C'est vrai, c'est vrai. Parce que oui. C'est l'un des Noirs les plus courageux au monde. Grâce à lui, on a eu l'abolition du racisme. Il n'y avait plus eu de racisme. Consacrer un peu de son temps à une œuvre caritative, mettre en avant l'engagement associatif et la solidarité pour rendre le monde meilleur. C'est la même ferveur ici où ce jeune s'attelle à inspirer une nouvelle génération de leaders. Nous les jeunes aujourd'hui, on a, lorsqu'on parle, mettez par exemple un jeune pour gérer une petite chose, une petite communauté ou un petit service. Vous comprenez que dans son intention primaire, c'est d'abord de voir comment se remplir les poches. Or, ces valeurs, Nelson Mandela ne nous les a pas apprises. Dans la mémoire collective des jeunes de l'Adamawa, Nelson Mandela incarne surtout le concept de la non-violence. Quant à moi, je dirais Nelson Mandela, beaucoup plus apprenait la non-violence. Nelson Mandela, c'est un parent modèle pour nous. Il a eu la volonté de faire ça, que nous devons aussi copier ce qu'il a fait. Le Nelson Mandela Day se célèbre depuis 2010. La journée a été instaurée en 2009 par l'UNESCO en mémoire de l'héritage du premier président démocratiquement élu de la nation arc-en-ciel.